Merci. Donc, c'est la fiche supplémentaire. On a fait le document, on a fait le document 1, n'est-ce pas? Aujourd'hui, on va faire le document 2. C'est nommer et annoter. Monsieur a noté l'8. OK? On a 5, Oui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, le 8. OK? Oui. Yalla. Essayez de faire ça, de travailler individuellement et après, on va voir les réponses. Yalla, préparez le document 2, donc nommer et annoter ce chemin. Alors, monsieur, écrire la réponse sur une feuille de brouillon, sur n'importe quoi. Et celui qui a terminé, il peut lever la main pour répondre. Très bien, ça fait un à 4 élèves qui ont terminé à faire le document 2. Et les autres, dépêchez-vous. Oui, ça va, il n'y a pas de problème. Alors, Tia, on a travaillé avec le document 2, c'est nommer ce document, donner un nom à ce document, un titre, et annoter ce chemin. Yeah. J'ai une des 5 filles qui veulent répondre, et les garçons. Dépêchez-vous. Tchou, Chabeb. لازم بقى نبعد عن بنقل عم تنقل كوا استاذ.
ما بدنا نكتب هلأ يا أستاذ. أنا قصدي نقص متصل. يلا دب الشفو. أحمد، علي، رومي، عيسى، كريم، محمد السويدان، يوسف السرور، أي يوسف بزيع. دب الشفو مسيو. إنه هيك تركين الساحة للصبايا هني بس بدهم يجيبوا. يلا شباب بعد معكم اون مينوت. ايه شباب وينكم؟ يلا في كريم تجرأ يفوت معنا. مين بعد؟ محمد السويدان، برافو. علي، عيسى، vous n'avez pas préparé. احمد، يوسف، puissance 2، ما حضرتوا حالكم استاذ؟ يوسف السرور بونجور، معنا فويس يوسف. طيب خليني بلش استاذ مع كريم. Oui, Karim, nommez cette technique. Oui. Nommez cette technique de séparation. Désolé, monsieur, l'internet chez moi est mauvais. Ça va. Oui, Karim, nommez cette technique. Quelle technique il y a de... Document 2, monsieur. On a travaillé avec le document 2. Distillation simple. Très bien, Karim. C'est la distillation simple. Annotez la partie 1. Pourquoi on a utilisé le 1? Quel est le rôle de 1? Il y a une réponse pour le 1. On met le ballon sur le trépied. Un nom de Dieu. Il y a une réponse pour la partie 1. Maya? Oui. C'est quoi le 1? C'est un chauffe-ballon. Très bien. Bravo. Anna, est-ce en général dispositif de chauffage? Est-ce que c'est un Big Benson? Non. 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 Anna, ça m'a été un dispositif de chauffage. خلاص اي شيء مهم عم نعمل chauffage. لو معطيني هو استاذ الفورم للبيج بنسن كنا عندنا بيج بنسن. طيب
Mayaka fait le 2. C'est ballon à fond rond. Ballon à fond rond. Merci, Maya. Bravo. Mirouh and. And mim barnavou. And Fika. It says we are خلص يشيل ال raise hand. Kinda, partie 3. Oui, partie 3, c'est le thermomètre. C'est le thermomètre. Merci. Et Zahra, 4. Oui, de rien. Zahra, le 4. Oui. Le réfrigérant. Le réfrigérant. Très bien, Zahra. Merci. Mohamed Swaydan, le 5. Le 5. Oui. Sortir dans le froid. Le 5, regardez la flèche. En sortie dans le chaud. C'est l'entrée, monsieur. C'est le 5 ici. C'est l'entrée de l'eau. Non, chaude. Eau froide. Toujours, c'est entrée de l'eau froide. Faire attention. Haura. Sortie de l'eau. Donc, le 6, c'est sortie de l'eau chaude. Bien. Aïssa. Le 7. Le 7, tripied. Non, regardez le 7. Bec bonzan. Estes why no 7, yes, is home. Aye. Hey, the 7. Ah, vakartwa. C'est quoi le 7? C'est le R, non, Mayer. Mais non, regardez la forme, ce n'est pas un R, le Mayer. Ballon. C'est un ballon, très bien. Donc, c'est un ballon à fond rond. Kausar, 8. Distillat. C'est le distillat. Très bien. C'est le rajin en la ta réponse. Ici le raise hand. Oui, truc majel, bas la aide à chauffer le fait ou le béin. Racha, bonjour. Racha. Oui, Estèze. Bonjour. Bonjour. Bye. Quand on a utilisé cette technique, pour séparer quel mélange, Yarasha? C'est la technique de filtration, la distillation. La distillation. Donc, quand peut-on utiliser cette technique pour séparer quel mélange? Oui, Racha. Solide liquide. Ce n'est pas suffisant de dire solide liquide. Mélange quoi? Homogène, hétérogène? Homogène. Donc, c'est pour. On utilise cette technique pour séparer le constituant d'un mélange homogène, solide, liquide. Merci, Racha. De rien. Monsieur, durant cette technique, on a deux changements d'état. Nommer ces deux changements d'état et indiquer le lieu où chaque changement a eu lieu. Yala, qui veut répondre? Alors, durant cette technique, deux changements d'état, deux changements physiques ont eu lieu. Nommez ces deux changements et indiquez le lieu de chaque changement. Et dans quelle partie de cette distillation chaque changement a eu lieu?
عندي كوثر ومايا غيرهم. استاذ ما سمعت السؤال منيح. Je répète. Durant cette technique, deux changements physiques ont eu lieu. Nommez ces deux changements et indiquez dans quel matériel ou dans quelle partie chaque changement a eu lieu. حبلش من عند مايا. Le premier changement, Maya. C'est la vaporisation, la transformation de l'état liquide à l'état gazeux. Dans quelle partie? Dans le ballon. Dans le ballon, très bien. Donc, le premier changement, c'est la vaporisation. C'est dans le ballon à fond rond et en partie 2. C'est le passage de l'état liquide à l'état gazeux. Bravo, Maya. Kauthar. Oui, deuxième c'est la changement. Condensation. Très bien. De l'état gazeux à l'état liquide. Oui. Dans le tube réfrigérant. Dans le tube réfrigérant, il y en a donc 4. Bravo, Kauthar. Très bien, monsieur. Vous avez bien étudié, vous avez bien compris, vous avez bien préparé. Très bien. Y a-t-il des questions avant de continuer? Non. Donc, on continue. Exercice 3. Yalla, préparez l'exercice 3. Rahamul. Stop share, Estes. Basla hatta baddimah, ishaglim nil réponse. Basla hatta intu, ta'kouni réponse, terjou. استاذ نعم استاذ عرفتوا شيء امتى امتحان الفيزياء الشيمي لا استاذ بعد ما تحدد شيء بس تحدد شيء اكيد انا بعطيكم خبر اوكي يا سي بيان كوم سا داكور يا Vous pouvez, monsieur, maintenant préparer l'exercice 3. Monsieur, on doit choisir la bonne réponse de numéro 2. Oui, là où les bonnes réponses. Faire attention, hein? Oui. أنا بالمبدأ عندي علي حجازي وعندي أخته مهاك منهم موجودين وملك حجازي وي سافا يلا مين بعد في عندي
يوسف اسمه يوسف زين المولودين زهراء محمد فاضل موجود ما اسمه لميس منا موجودة صح استاذ؟ نو يا بدنا ناخذ نور. يلا نور. Oui, monsieur. يلا. Exercice 3. Lire. Choisir ou... Non. Oui. Exercice 3. Lire de le oui. Début. Exercice 3. Séparation de l'eau et de l'huile. Oui. Ahmad, un élève de 7e année, est invité à préparer le matériel requis et à installer l'appareil utilisé pour séparer l'eau de l'huile. Oui. Il... Nour. Nommé la technique, oui. Yala, continue. Rahissot l'anesthèse. Oui, nommer la technique de séparation indiquée dans le document suivant. Oui, quelle est cette technique? Technique. راح الانترنت عندها لنور. للأسف يعني عم بروح الكونيكسيون. طيب خليني أخذ زهراء. Oui, أستاذ. يلا نومي سيت تكنيك. C'est l'ampoule à décompter. Non. Pas le matériel. C'est la technique. La filtration. Non. حورا. La décontation. Donc, c'est la décontation. Okay. Donc, c'est la décontation en utilisant une ampoule pour décompter. Ampoule à décompter. Ali Rumi, oui, Nour, je sais. يعني عندك بروبليم ديليكتريسيتي سافا مسيو علي رومي بارتي 2 شوازي لا او لي بون ريبونس بور لينونسي سويفون وي ويل الو سان ميلونج هيتروجين ليكيد نون ميسيب تري بيان دونك ميلونج هيتروجين اي ليكيد نون ميسيب برافو Vous avez deux bonnes réponses ici. L'eau et l'huile forment deux phases, il y a un mélange hétérogène. En même temps, ils sont deux liquides non miscibles. Il nous reste à faire la partie 3. Yal, qui veut faire la partie 3? Est-ce que tu as le choix de chercher la tahit? مش مبين البارتي 3؟ لا مش كلها. نو. وهلا. اوكي ميرسي. دو ريان. يلا كي فو ريبوندر؟ Estaz, soal oui, comment on sépare l'huile et l'eau? Non, regardez, lire bien Zahra. Ahmad a observé cela en mélangeant de l'huile avec de l'eau. L'huile flotte à la surface de l'eau. Donc, lorsqu'il a mélangé l'huile et l'eau, il a observé que l'huile flotte à la surface de l'eau. En vous référant à la déclaration ci-dessus et au document donné, comparez la densité de l'huile et de l'eau.
Oui, Kawthar, réponse. L'eau et l'huile sont deux liquides non miscibles. L'huile flotte à la surface. Oui, Kawthar. Oui, Stas. Ma smat, rah la connexion. Aïd. L'eau et l'huile sont deux liquides non miscibles. L'huile flotte à la surface de l'eau, c'est-à-dire l'huile est moins dense que l'eau. D'accord. Y a-t-il autre réponse? Alors, comparer la densité de l'huile et de l'eau, c'est-à-dire il faut savoir quel liquide est plus dense que l'autre. Donc, lui et l'huile sont deux liquides non miscibles. Et l'huile flotte à la surface de l'eau, alors l'huile est moins dense que l'eau. Parce que on dit en vous référant à la déclaration ci-dessus au document donné. Yani, on ne peut pas directement dire l'huile est moins dense que l'eau. Il faut utiliser les informations qu'on a donné dans le document ou bien dans la déclaration pour arriver à comparer la densité de ces deux liquides. Faisal Estes, on a l'image que l'huile en haut, mais je vois que l'huile flotte sur la surface de l'eau, ou haïdin eau. Le liquide qui se trouve en haut, c'est le liquide qui a une basse densité. En bas, c'est le liquide qui a une haute densité. Alors, la densité de l'huile est moins que celle de l'eau. Oui. Monsieur, comme ça, j'ai terminé pour le chapitre 2. Donc, on a terminé les deux premiers chapitres. Est-ce qu'il y a des questions à propos de ce chapitre? Non. Non, merci. Non. Oui, monsieur.